Have you ever felt? Are you listening? Damn. C'est assez simple, trois compteurs, hein. Le compte tour en tout petit, kilomètre heure au milieu, essence à droite, voilà. Bon, c'est très, très basique, très simple. Et quelques commandes comme d'habitude au volant. Hein. Réglage du volume et téléphone au volant. Ventile diffusion sur le pare-brise, et là tu peux orienter quand même si tu as envie. C'est original. Ça. Parce que généralement quand c'est ça, c'est le plus communément le parleur. Ouais. Mais là c'est pas orientable, tu vois, c'est la ventilation qui sort comme ça, qui diffuse. Bon, on n'a pas de voyageur derrière. Vaut mieux pas. Alors surtout derrière toi, Vincent, vaut mieux pas. 1m94, il faut les caser hein, sur l'avant. Derrière, il reste plus grand chose. Pour la position de conduite, du coup, tu t'y es bien retrouvé. Ouais, franchement. Parce qu'à 1m94, il faut trouver sa position de conduite. Hein. Ça va pas être facile pour toi dans toutes les voitures d'ailleurs. Non, bon. Tu vois que je suis obligé de choisir des études assez conséquentes. Passant derrière toi, je te dis, moi j'ai rien touché au réglage, mis à part le dossier. Sinon, on trouve facilement sa position. Alors, la direction, effectivement, très agréable aussi. Hein. Souvent chez Volkswagen, hein, c'est assez précis. Et puis le vaillant moteur 90 chevaux, ouais, parce que tu sens là, dès que tu appuies, ça part tout de suite. Ouais, et on sent que c'est court et direct. C'est ça. Au niveau du passage des vitesses. Et en fait, on n'a pas l'impression d'avoir une micro-citadine. En fait. Mais deux gars, putain, on est balèze quand même. Bah ouais, c'est large. C'est ça. Et pour autant. Parce qu'il y a d'autres modèles plus larges où on se sent vite. Oui. On se touche pas du coup de. Non, c'est ça. Dommage. Dommage. Ou pas. Ou pas. Le rétroviseur intérieur, du coup, t'as un champ de vision là qui est assez important. Ça, c'est bien, c'est pas mal. Il est petit, mais. Il est petit, mais en fait, je trouve. T'as une vision derrière, le pare-brise à l'arrière, t'as une bonne vision. Parce qu'il y a des voitures bien plus grandes qui ont des meurtrières pour c'est ça. À l'arrière, là, il y a une bonne vision. Bon, alors, en tant que passager, Vincent, là, qu'est-ce que ça donne, toi qui as conduit? Maintenant, t'es là. Mais, tu te balades. T'es bien là. On est bien. Que l'amortissement est loin d'être désagréable. Non, franchement, pourtant, les routes, elles sont. Les routes, elles sont pas top. Hein. Elles sont pas géniales. Ouais. Non, franchement. C'est bluffant, hein, ces nouvelles voitures, qu'elles soient petites ou grandes. C'est ça. C'est soigné, pareil. C'est pas parce que c'est une petite voiture qu'on a négligé la qualité et le confort, c'est ça. Bon, on a changé de couleur, on est dans la jaune. Ouais. Et ça, c'est pas mal. Et du coup, dans ce marché des micro-citadines, là, t'as un paquet de concurrence quand même, parce que tu te retrouves avec la triplette C1 108 Toyota Aygo, la même famille. Et puis après, t'as les Fiat Panda, les Fiat 500. En termes de conso, elle est donnée à 4,7 litres. Bon, après, entre la donnée constructeur et ce qu'on constate sur le terrain, il y a toujours un écart. Faut regarder. Ouais, mais là dans nos essais, la conso dans les essais, elle est jamais très parlante parce que t'as tendance parfois à rouler un peu. Ouais, c'est ça. Tu testes, tu t'accélères, ça bouffe. Mais là, les moteurs TSI en général, franchement, là c'est le 90 chevaux. Moi j'avais essayé sur une coccinelle un 105 chevaux et à chaque fois, je suis agréablement surpris. 9 secondes 9, hein, 0 à 100. Là, oui. Les performances de la Golf première génération, c'est aussi puissant que ça. On voit une réunion de up et on est en attente de pouvoir prendre un ferry pour traverser le lac afin d'aller voir de l'autre côté les routes, les belles routes italiennes.
changement de voiture, donc changement de couleur. Je ne sais pas comment elle s'appelle cette couleur, une espèce de jaune doré. Et du coup, ça modifie le tableau de bord également. Là. Un plaquage avec des petits carrés modernes là. Original. Et toujours le téléphone qui nous sert de d'écran de contrôle pour la pour le GPS. Poignée de frein à main et gaine écuyère. Bon Vincent, coéquipier, c'était sympa ce road trip en une journée à Milan au lac de Côme. Ce fut assez intense. Ouais. Intense en termes de délai, de timing. De timing, ouais, c'est vrai. Mais on a vécu un peu de tout là, avec deux voitures différentes, avec le même moteur. Le même moteur, mais deux finitions complètement différentes. Deux finitions complètement différentes, ouais, effectivement. Bon, qu'est-ce qu'on relève dans les conclusions de cette petite up pour toi? Qu'est-ce que tu dirais? Franchement, agréablement surpris, c'est pas forcément la voiture après laquelle je courrais. Ouais, naturellement, pour toi, voilà. Oui. Après, pour des jeunes ou des personnes qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un coffre énorme. Enfin, franchement, qualité intrinsèque. Franchement, elles sont là. Quoi. Elles sont là. Hein. Bon, après, c'est 90 chevaux, hein, bien sûr. On a eu deux modèles avec un 1 litre TSI 90 chevaux. On relève que le moteur est très performant. En tout cas, 90 chevaux, il est bien. Il est bien. Voilà. C'est un minimum, si on ne veut pas être embêté en termes de parcours, on peut aller partout avec ce 90 chevaux. On peut faire de la route, là, on peut faire de la ville. Là, on est sur autoroute. On est sur autoroute, là, effectivement. Nous retournons vers l'aéroport de Milano. Et ouais, c'est vraiment sympa. Alors, elle reprend bien à bas régime. On touchait de route, volant, la place. Direction, amortissement. Enfin, il n'y a pas de défaut sur cette homme particulièrement. Moi, ce que je note, c'est effectivement bon moteur, bon amortissement. Mais il y a aussi cette interface assez novatrice avec ce téléphone ici au-dessus qui sert d'écran. Et ça, c'est malin, je trouve. C'est malin et novateur, on n'a pas vu ça ailleurs. Après, savoir que le système d'accroche il est sur la première version, il n'y est pas. Il n'y était pas. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que si on a envie de passer sur Oise, on peut tout à fait avec ce module et l'application de Volkswagen Up, si on a envie de passer sur Oise, on peut le faire. Après, elle est équipée aussi de systèmes de sécurité entre 0 km/h et je sais plus 30 ou 50 en ville. Entre 0 et 30, oui, il y a l'Active City Brake. La voiture va freiner toute seule. Qui permet justement de freiner à notre place. Ouais. Si jamais on n'est pas attentif à la route, voilà. Eh bien la voiture l'est pour nous. Bon, c'est pas mal ça. Et dernier point quand même important et qui est fun et sympa aujourd'hui, c'est les voitures qui peuvent se personnaliser. Alors là, on a une combinaison assez importante de personnalisation grâce à la couleur des rétros, la couleur du toit, la couleur des jantes. Donc on peut se faire sa propre voiture et ça, c'est intéressant. C'est notre conclusion en fait. Voilà, c'est bonne voiture. Bonne voiture, ouais. Pour les passionnés, j'espère que vous aurez apprécié ces reportages sur la nouvelle Up. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures sur Essai Libre. Et surtout, vivez votre passion. C'est le plus important. N'est-ce pas, Vincent ? Parfait. Allez, à bientôt les amis, ciao.